trophée, plus d'espoir, déverrouillé, la porte impossible à déverrouiller dans le retour de Pasadena. Tout de suite, on regarde où et quand on a pu débloquer ce trophée. Attention, lorsque j'ai réussi à faire ce succès, j'avais le niveau maximum en termes de compétences de crochetage de porte. Bruit bizarre par là. T825, qu'est-ce qu'il a de particulier, hein? Exploser la l'armor, ok. Petites araignées. La question c'est est-ce qu'elles vont. Alors là, c'est assez marrant cette porte à crocheter. Ça sert complètement à rien. Alors, c'est ici là qu'il y a un truc à faire péter. Je rappelle qu'il y avait une note. Elle me nargue. Elle se tient là, menarguée, elle a survécu au jugement dernier, a résisté aux pluies acides, à la poussière atomique, au Terminator, au CTR, je sais pas ce que c'est. Et j'ai cassé mon putain de couteau en essayant de graver mon nom sur ce truc. Tous les jours je passe devant, aucun mur ne la soutient, mais elle ne bouge pas d'un pouce. Je refuse de croire qu'il n'y a rien de l'autre côté de cette porte, je parie que si j'arrive à l'ouvrir, la guerre prendrait fin. Plus de scanner, plus besoin de pied. Alors là je suis... médusé sur ce histoire de porte. Ouais, je vais te l'ouvrir, moi, tu vas voir, la guerre va pas prendre fin. Ah, 30%. Ah, oh, il se passe rien. Ah, plus d'espoir. C'est quoi ça? En fait, c'est un trophée. Et l'intitulé, c'est ouvrir la porte impossible à ouvrir. Alors, en termes de compétences, j'étais niveau 3.